Regarde la crasse présente dans cette tenue. Regarde à quel point je sais que tu sais que nous savons que tu veux être dans cette tenue. Tu vois ce que je dis ? N'hésitez pas, je sais que cette vidéo était supposée sortir depuis très longtemps, mais bon, au moins elle est sortie maintenant. Vaut mieux tard que jamais, hein ? Salut les petits crassés ! Comment va-t-on ? Écoutez-moi, salade tomate oignon. Globalement, salade tomate oignon. C'est vrai que j'avais un peu disparu dernièrement, là. Je vous avais un peu délaissé, je sais. Faut pas m'en vouloir. En fait, la vie m'a massé et surtout les coups. Parce que bon, comme j'ai repris les coups maintenant, là, les nerfs sont un peu tendus dans la tendinite, mais je me suis reprise. C'est bon, j'ai compris. Il est temps de recommencer à faire des choses de façon sérieuse. Et de toutes les façons, ma Fashion Week est arrivée. Donc, je suis obligée de vous parler de la Fashion Week parce qu'il s'est passé des dingueries ici. Bref, il y aura deux épisodes. Je fais la première partie ici et la deuxième partie après. Parce que, émotionnellement, ça a été tendu. J'ai eu des déceptions, j'ai eu de vraies blessures. Bref, commençons. Nous allons commencer par comme un garçon. Comme un garçon n'est pas forcément une maison sur laquelle je mets mon cœur, parce que de base, ce n'est pas là-bas que je suis. Ce n'est pas mon domicile, ce n'est pas mon style. Mais bon, des fois, j'ai été surprise d'être étonnée par les choses qui nous ont sorties, que ce soit dans le prêt-à-porter ou bien les collections, voilà quoi. Et là, je me suis assise en me disant, bon, laissons-nous être surpris. J'avais confiance, voyez ou pas, je me suis assise dans la confiance. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y a une chose que je ne vais pas retirer, j'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur des mannequins. Parce qu'elle mettait des coups de pression aux gens qui étaient assis et franchement je me suis tapé des barres là-dessus. J'ai ri. Mais par contre, les looks, j'avais l'impression qu'ils nous faisaient un slogan pour une publicité, pour les sacs poubelles ou un mélange entre sacs poubelles, doudoune et... Je sais pas, j'ai pas compris le concept, tu vois, j'étais perdu un peu, tu vois, genre... Ça ne vendait pas du rêve, les gars, ça ne vendait pas du rêve, genre vraiment, j'ai pas vu ça et je me suis dit, waouh, j'aimerais tellement porter ça, genre, le réveil n'a jamais eu lieu, vous voyez ce que je veux dire, l'envie n'est jamais arrivée, et ça... Je vais pas faire comme si c'était pas le cas. Franchement, à un moment, j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit dans quel contexte quelqu'un voudrait porter ça. C'est-à-dire, je me dis, no shade, mais vraiment, je ne vois personne. Je ne vois personne. Non, vraiment, mon frère, même si tu m'installes au fin fond du Canada avec les moins 350 degrés de chez eux, là, oui, je suis dans l'abus. Si vous attendiez du réalisme, c'est pas ici qu'il fallait venir. Bref, bah, elle a au moins 35 degrés, là. Même avec les moins 35, je ne porte pas ça. Je suis désolé. I'm sorry. Les Canadiens ont des manteaux beaucoup plus cute et qui tiennent bien chaud. Merci. Si je devais donner une note, d'accord, parce que bon, ça a été vraiment la première gifle, j'étais assise là, j'ai pas compris ce que je faisais là. On est sur un 4 sur 10, et je donne un 4 vraiment pour le jeu d'actrice, parce qu'il y a eu des moments où les gens ont sursauté même, les gens qui étaient assis là au bureau, et que les gars venaient s'arrêter devant eux là, ils sursautaient que mais mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Non, je me suis quand même tapé un peu des barres, tu vois ce que j'ai sursauté dans mon humour, genre j'étais là, ok, I see you boo, ok, d'accord, mais par contre les vêtements c'est non. Parce que bon, on est sur une expression artistique, donc il y a forcément une mise en scène. Et donc, oui, la mise en scène était bien. Je ne vais pas faire comme si ce n'était pas le cas. C'était sympa. Ne venons pas faire comme si on n'avait pas vu ce qu'on a vu. Merci. Puis, je me suis dit, bon, on va sur du classique. On est sur la Fashion Week de Paris. On doit quand même aller sur une marque parisienne de base. Quelque chose du secteur, une valeur sûre. Un bail que tout le monde veut absolument porter, même quand on n'a pas d'argent. Bien évidemment, il choisit de... Dior, merci beaucoup. Dior, comment dire? Bien que Dior ne sorte pas souvent de sa zone là, il reste dans son cadre. De temps en temps, il nous balance deux ou trois petits F16 en mode. Oui, c'est pas comme d'habitude, un petit peu, mais je reste dans mon cadre quand même. Donc, je me suis dit, en fait, c'est pas la marque qui m'a fait sursauter en mode, ok, this is popping. Ou alors, même si tu restes dans ta zone, genre, donne-moi envie de porter ta foutaise. Du coup, je me suis dit, bon, déjà, ils ont fait mieux que la collection d'avant. Donc, clairement, le show était présent. J'ai regardé avec plaisir le défilé. Je ne vais pas non plus faire comme si ce n'était pas le cas. J'ai kiffé le moment. Donc, je me suis dit, ils méritent quand même au minimum quelque chose au-dessus de la moyenne. Donc, du coup, ils ont des petits encouragements. On est sur un 6. Parce que vraiment, le show était sympathique. Il y a eu deux ou trois looks où je me suis dit, en vrai, why not? I understand. I see. Je vois le lien. I see you boo. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je me suis dit,
je me verrais bien dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et d'habitude, c'est juste les accessoires que je me vois récupérer. Les sacs, on va pas se mentir. Certains sacs, certaines ceintures, certains petits accessoires là qui mettent aussi. Tchac, tchac. Moi-même, des fois, je me dis, ça c'est pas mal. Mais là, on était bon. Là, on était bon. Donc, vraiment un 6. Et c'est la première fois qu'ils ont une note vraiment où il y a un minimum de satisfaction. Donc, en vrai, merci Dieu de nous surprendre. Et de ne pas nous décevoir comme certains. Et là! Et là, on va sur ma valeur sûre, on va sur mon secteur, mon domicile, ce qui apparaît là. Parce que ce qui apparaît là, je ne sais pas pour vous, mais c'est vraiment ce que Chanel aurait dû être. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, nous surprendre, prendre des risques. En mode, je suis un poids lourd de la mode. Non, je peux de temps en temps là, chuter dans la poubelle. Tu vois ce que je veux dire? Je suis là pour agiter les choses, sortir les gens de leur zone de confort. C'est ça que j'attendais de Chanel. Enfin, si on me demandait mon avis. Mais bon, bref. J'ai envie de dire, sommes-nous surpris d'être étonnés? Pas du tout. Mais heureusement, ce qui apparaît lié est là de temps en temps pour nous rappeler qu'ils ne sont pas ici pour manger des pâtes. On n'est pas dans les secteurs de panzani ici, d'accord? Donc, je ne vais pas vous mentir. Vraiment, j'ai vu ce défilé. J'étais bien. C'est ce que je veux dire. Ça m'a mis un peu de baume au cœur après les deux gifles que je venais de me prendre. Bon, Dior, ce n'est pas une gifle en vrai. Je suis dans l'abus. Je suis dans l'abus. Oui, certes. Mais, comme un garçon m'a un peu déçu. Mais bon, je n'attendais pas grand chose. J'avais l'espoir, mais on a fini sur un pet dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui apparaît là est venu mettre un pincement sur mon cœur. Je me suis dit, Dieu existe. Dieu existe parce que là, maintenant, mes yeux sont bénis. Vous voyez ce que je veux dire? Résultat des courses, on s'est retrouvé quand même avec un 8,5 sur 10. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on est sur un. Tu vois ce que je veux dire? On est sur une valeur sûre. On est sur quelque chose qui fait plaisir aux yeux, vraiment. Je pense que, vraiment, s'il y avait eu quelques looks un peu plus audacieux, on serait passé sur un 9, voire un 9,5. Vous voyez ce que je dis? Genre vraiment, un peu d'informations près, on était bon. Donc du coup, je ne vais pas me plaindre. Vraiment, ce qui apparaît là a mis un peu de pincement sur mon cœur parce que ce qui est venu me gifler après derrière, moi je vous le dis, j'étais pas prête. Ensuite, notre cousin de toujours, notre petit frère favori, Balmain, est revenu dans les bacs. Vous voyez ce que je veux dire? Il nous avait sorti un nouvel album. Bref, Balmain est revenu et je vais pas vous mentir, honnêtement, j'ai apprécié la collection. Franchement, le petit principe de raisin là, H24 là, vraiment j'ai apprécié. J'ai apprécié, c'était cute, c'était classique. Ça jouait sur le classique en étant légèrement audacieux, mais en rappelant certains backgrounds avec les anciennes collections. Et puis on revient sur quelque chose de totalement nouveau quand même. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai apprécié. Vraiment j'ai apprécié, j'ai regardé le truc, j'ai dit ok, I see you boo. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu des contextes où je me suis dit, bon ça c'est pas vraiment pour moi. Mais je me suis vu porter pas mal de tenues quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis dit, en vrai on m'offre ça, je porte. Je porte, vous voyez ce que je veux dire, c'est le principe même. Hein? Franchement, Balmain, dernièrement, il me fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire, genre, on va pas se mentir, vraiment, en fonction des thèmes, je suis là en mode, ok, tonton, I see you, I see where you want to go, I see what you want to mean, and thank you for the blessing. Tu vois ce que je veux dire, genre, il y a une représentation, il y a une bonne ambiance, il y a un état d'esprit, et quand tu vois le vêtement, tu te dis, oui, tout à fait, je me vois dedans. Pour moi, maintenant, ça faisait beaucoup moins méchante de film, parce que vous savez mon amour pour les méchantes de film. Mais malgré tout, ça passait. Ça passait. Donc, du coup, on est sur un 8. On est sur un 8,5. On est sur un 8,5. Je ne vais pas me plaindre. Vraiment, on est sur quelque chose de bon. On est sur quelque chose de précieux. On est sur quelque chose de salade, tomate, oignon. Non, je suis dans l'audace. On est sur un 8. Pas 8,5, on est sur un 8. Ok? On n'est pas au niveau de ce qui apparaît non plus. Mais on est sur un 8. Ce qui apparaît, c'est 8,5. Là, on est sur un 8. Il faut que je me détende. Et là, la surprise. La surprise number one. Tamara Ralph a débarqué. Tamara Ralph a été ma surprise. Ça a été ma première vraie surprise de cette Fashion Week. Parce que je n'attendais pas grand-chose de ce secteur. What do you mean? Je vais pas vous mentir, personnellement, déjà de base, je ne suis pas particulièrement girly, d'accord? Ce n'est pas mon secteur de base, mais je vais pas vous mentir. Cette collection avait quelque chose de royal. Cette collection avait quelque chose de, je ne suis pas ici pour fréquenter le commun des mortels. Je veux du volume, je veux du plumé, je veux de la présence, je veux te montrer que la haute couture, c'est la haute couture. On n'est pas ici là pour parler de faux dossiers. Regarde regarde la crasse présente dans cette tenue. Regarde à quel point je sais que tu sais, que nous savons
que tu veux être dans cette tenue. Tu vois ce que je veux dire? C'est, on était là-bas. Et je vais pas vous mentir, j'étais dans l'émotion. Je me suis dit, voilà ce qu'on veut. Voilà, on est sur de la Fashion Week française, ici, là, dans les lieux. On est à Paris, vendez-nous quelque chose de... C'est-à-dire que quand tu marches là, tu poses le pied, tu sors de la voiture. C'est-à-dire qu'on sait que oui, ça, c'est une tantine. Ce n'est pas une mendiante ici dans les lieux. Sans vouloir offenser nos cousins mendiants, force à vous. Hein? Mais on n'est pas dans quelqu'un qui est dans une mendicité sociale. Vous voyez ce que je dis? Quelqu'un est présente et elle n'est pas là pour perdre le temps. Le temps, c'est de l'argent. D'accord? Et franchement, je ne vais pas vous mentir, cette collection, vraiment, je ne l'avais pas vu venir. Vraiment, là, on est au-delà du pain dans l'eau. Là, on est dans quelque chose de salade, tomate, oignon. On est sur quelque chose, vraiment, je n'étais pas dans l'expectative. Et là, maintenant... Tamara, I'm watching you right now. Maintenant, I'm watching you, girl. Je suis désolée, on a eu de la brillance, on a eu de la classe, on a eu des fleurs, on a eu... C'était fleuri, c'était beau, c'était... Non. C'était très classe, non. Je suis désolée, on peut pas test. Donc, je suis désolée, cette collection a totalement été validée selon la crasse. Donc, on est sur un 9 sur 10. On est sur un 9 sur 10 et j'assume totalement. On est sur un 9 sur 10. Bien que ce ne soit pas des looks que je vais forcément porter, mais je suis désolée. Moi-même, je me suis surprise à vouloir me glisser dans la tenue. Avec quelques kilos en plus. Où est-ce que je dis? Je me voyais dedans. Et là, nous allons parler de ma première déception. Ma première vraie déception. Je vais pas vous mentir, cette maison, de base j'avais retiré mon cœur, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on descende aussi bas. Il s'agit bien évidemment de Tonton Saint-Laurent. Oui, Tonton Saint-Laurent m'a blessé. Damn! Tonton Saint-Laurent m'a déçu. Il m'a déçu dans quel sens? Attendez, ne commencez pas à vous dire ici là que j'étais dans l'abus. J'avais l'impression que ce défilé, ce n'était qu'un seul look. C'était une répétition de légère modification tout en jouant dans la transparence. Là, bon, moi déjà de base, la transparence, c'est pas ma passion. Je vais pas vous mentir. Avoir les loulous à l'air là dans les lieux, ce n'est pas ma passion. D'accord? Mais bon, même en passant au-dessus du fait que ce n'est pas ma passion, je peux quand même être capable de dire quand quelque chose est cute ou pas, quand quelque chose est voilà quoi, qu'on est sur quelque chose d'innovant, quelque chose qui me donne envie. Tu vois ce que je dis? Je suis désolée. Tout le défilé, c'était la même chose. À aucun moment, on a eu quelque chose d'innovant. On n'était même pas su. Bon, on ne va pas attendre de Saint-Laurent qu'il varie les sizes dans ses défilés. On a compris. Porte-manteau, bonjour. Mais on ne va pas se mentir. J'étais déçue parce que Saint-Laurent fait partie de ces grandes maisons qui pourraient prendre des risques. D'accord? L'argent n'est plus un problème là. Arrêtons de faire comme si on n'était pas au courant. Et Toto fait comme s'il n'a pas le budget pour faire ses dingueries. Donc du coup, oui, ça m'a un peu fait mal au cœur. Ne pas vous mentir, ça m'a piqué. Du coup, on était sur un 2. On est sur un 2 sur 10, les gars. Et ça me fait mal au cœur de donner ça à Saint-Laurent. Parce qu'il a des choses que j'aime. Mais là, moisissure. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Et bien sûr, on finit avec George Obeika. Je prononce bien son nom. George Obeika. Franchement, au départ, encore une fois, je n'avais pas mis mon cœur dans ce dossier. Vraiment, c'est très bizarre parce que ceux avec qui, pour qui je n'ai pas mis mon cœur, c'est eux qui m'ont surpris au point où j'étais sur un twerk du dos là, à m'agiter dans mon agitation, à me dire, mais toi là, tu m'as surpris, je suis surprise d'être étonnée. I am happy to know you. Tu vois ce que je veux dire? C'était rafraîchissant parce que j'avais l'impression de voir ce que j'attends de Chanel. C'est-à-dire le côté petit tailleur classique de Chanel, mais en me rapportant quelque chose, en me donnant quelque chose. Notamment l'espèce de petit tailleur classique là, avec le petit col qui vient jusqu'ici et la longue jupe bien cintrée là, qui descend jusqu'au genou. Voilà. Il nous a rajouté un petit effet de rouge avec les manches et le gant. Et ça fait un petit côté sanguin, là, en mode je suis pas venue ici pour manger des pâtes. Continue comme ça, t'as arraché ton cœur et mes dents. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on est vraiment sur quelque chose qui te rappelle qu'en fait, on est là pour être surpris d'être étonné. On est là pour se retrouver dans un contexte où on se dit waouh, donc c'est là-bas qu'on va partir. Tu vois ce que je veux dire? Il nous a donné des tailleurs, il nous a donné de la couleur, il nous a donné du volume. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis désolée, il y a au moins une couleur, une tenue qui peut plaire à quelqu'un. C'est-à-dire que tu prends la globalité de cette collection, c'est varié. Tu as l'impression de voir limite, littéralement, la représentation du printemps avec toutes les couleurs qui vont avec, toute la chaleur, le bonheur, la recréation. Tu as tout ce dont tu as besoin visuellement. Tu vois ce que je veux dire? Genre, là, il y a satisfaction. Genre, tu te dis, merci de me respecter. Merci de respecter mes yeux. Merci.
Du coup, forcément, on était obligé de s'arrêter. On était obligé de s'arrêter sur un 8 minimum, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas sur la perfection, on n'est pas sur quelque chose de salade, tomate, oignon au point où je me dis là, vraiment, limite, je suis prête à prendre un crédit pour acheter le bail. Donc, on reste sur un 8, vous voyez ce que je veux dire? Mais on est sur quelque chose de beau, on est sur quelque chose de précieux, on est sur quelque chose où tu te dis... Je suis surprise quand même d'être étonnée. Je ne me voyais pas aller là-bas, mais en fait, j'ai envie d'aller là-bas quand même. Tu vois ce que je veux dire? On te vend la destination alors que tu ne pensais pas être intéressée par cette destination. D'où le 8. Ok? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, je pense qu'on est sur quelque chose de très bon. Et là, vous vous demandez probablement pourquoi je n'ai toujours pas parlé de l'une de mes maisons préférées, Alexander McQueen, mon premier amour. Laissez-moi vous dire déjà pour commencer que Sarah est partie. D'accord, Sarah nous a abandonnés. Sarah a décidé de se retirer. Et du coup, il y a un nouveau créateur qui est venu lancer la nouvelle collection de Alexander McQueen pour cette année. Laissez-moi vous dire que je suis blessée. Je suis extrêmement blessée. Je sais que le créateur Alexander McQueen était plus sur un délire très punk au départ. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis désolée, la collection est confusing du début à la fin. Si tu veux être punk, reste dans le punk. Si tu veux être dans le volume, va dans le volume. Si tu veux être dans du sculpting, va dans le sculpting. Mais ne me mélange pas tout en même temps, en me disant c'est punk, mais à la fois pas punk. Tu veux... Ne tâte pas le terrain de tous côtés. Choisis ta direction et suis maintenant la direction, mon ami. Si tu es là à tourner en rond, on va rester ici à stagner, premièrement. Et deuxièmement, je suis désolée, tu ne me fais pas une transition de... On passe d'un truc très structuré, très tailleur, très classe, très simple. Et sans avertissement, ben, on retombe sur des bails, vraiment. Si on pouvait mettre même des t-shirts déchirants, on est là-bas. C'est-à-dire, il n'y a eu aucun lien, il n'y a eu aucun annoncement. Tu ne peux pas passer de ça, de ton public qui était déjà sur du Alexander McQueen, tailleur, machin, salade, tomate, oignon, avec des robes cintrées qui mettent en valeur ce que le Seigneur t'a donné. C'est-à-dire que quand tu portes ça, tu sais que là, tu es la méchante du film, mais la méchante que tout le monde envie. La méchante que tout le monde envie. Et là, on est passé à... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pièces qui n'étaient pas sympathiques, mais je dis que la collection 1 n'était pas cohérente. 2, la transition entre la collection de septembre et la collection de maintenant est beaucoup trop violente, donc c'est un no-no. Et je suis désolée, ça ne correspond pas aux choses que j'aimais de Alexander McQueen. Donc je pense que les anciens fans donc, du créateur Alexander McQueen vont probablement kiffer. Mais moi, je suis désolée. Non, je ne peux pas adhérer. Genre vraiment, non. Non. Je perds mes mots. Je suis épuisée. Je me sens blessée. Je me sens trahie. Je me sens abandonnée, en fait. Sarah, pourquoi est-ce que tu es partie? Pourquoi tu nous as abandonnés? Parce que sans toi, là, nous, on est perdus. Les fans d'Alexander McQueen, on est perdus. Naomi même n'est pas venue défiler. Ça voulait dire ce que ça voulait. À partir du moment où je ne l'ai pas vu, j'ai su qu'il y avait une moisissue. La voix a récupéré ses ustensiles, a évolué. Non, à un moment, respectez-nous. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on peut pas passer de... ça à ça, non, ce n'est pas possible. Non, vends-nous du rêve, tonton. Le but, c'est de nous vendre du rêve. Si je voulais m'habiller mal, je sais déjà le faire. Je n'ai pas besoin que tu essayes de me l'apprendre, d'accord? Donc, c'est avec beaucoup de regret que je donne un 4 à Alexander McQueen. Et ça me coûte de dire ça. Ça me coûte de dire ça parce que vraiment, Sarah a fait un bon travail. Et vraiment, Sarah, je ne te retire pas tes notes. Hein. Mais. Ton pseudo remplaçant là, vraiment, on est sur du low cost. And I said what I said, and I think what I think, ok? Il n'y a aucun doute quant à mes propos. Je suis désolée, la transition est mauvaise. Une mauvaise transition. On m'aurait donné cette collection sur un autre design, une autre maison, ça aurait pu passer, mais tu ne passes pas de ça, Alexander McQueen, à ça. Non, c'est comme si je te disais, vas-y, à partir de maintenant, je vais te donner du poisson braisé bio avec des patates douces. Et puis après, je te dis, en fait, là, on passe directement au McDo, mais je ne te donne pas le McDo d'Europe. Non, je vais aller te donner le McDo des États-Unis où rien n'est naturel. Tu as l'impression de mâcher du plastique. On est là-bas. Donc du coup, non, je vais pas vous mentir, je vis ça très mal. Bref, je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que j'ai beaucoup trop mal au cœur et je sens que je suis dans une agitation. Il faut que je pose le cœur un peu avant de faire la suite. Mais en tout cas, on est ensemble par le lien capillaire. Je veux savoir quelles sont les maisons que vous avez préférées pour l'instant et dans celles que j'ai citées parce qu'il y aura la suite dans quelques jours. En tout cas, je vous fais des bisous sur le front. Comme d'habitude, on est ensemble par le lien capillaire. Vous connaissez mon amour pour vous. N'oubliez pas mon like parce que vous aimez trop faire comme si vous n'étiez pas au courant. Et commentez, c'est gratuit. En fait, vous avez des comptes Google, c'est probablement ça la seule fonction. Commentez, likez, et vous avez intérêt à être abonné.
Moi, je dis, ceux qui ne sont pas abonnés, qui regardent ma chaîne, quand vous allez vous retrouver à avoir des hémorroïdes, il faudra pas dire que c'est de ma faute. Ça, c'est parce que vous aurez trop serré les fesses au lieu de donner la force aux gens qu'il faut. Bref, I said what I said. I still love you anyway. Que la grâce vous accompagne.